Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want. Salut à tous! Tout d'abord, je tenais à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait grave plaisir. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant et puis n'hésitez pas à partager parce que je suis en train de préparer un joli concours pour le cap des 1000 abonnés. Fermons cette parenthèse et passons à la présentation du couteau. Après le gros tigris présenté dans la dernière présentation du couteau, je suis pas gros! On passe à son opposé avec le CBV Beau, duquel je suis tombé amoureux tout de suite. C'est de toute beauté. Alors c'est une collaboration entre CBV et Brad Zinker qui l'a designé. Brad Zinker, c'est un peu un habitué des designs fluides et épurés comme celui-ci. Je le trouve vraiment réussi. Hein. C'est simple mais c'est beau. Concernant ses caractéristiques, on est sur une longueur fermée de 9,5 cm, une longueur totale de 16,9 cm, pour une taille de lame de 7,4 cm et une épaisseur de 2,5 mm, le tout pour un poids plume de 57 g. Donc comme je le disais au début, on joue vraiment pas dans la même catégorie que le Tigris que je vous avais présenté la dernière fois. À titre de comparaison, à côté du CBV Elementum Buttonlock. Au niveau des matériaux, on est sur une lame en nitro V, qui est l'acier qu'utilise maintenant CBV pour tous ses couteaux, ce qui remplace le D2, avec une finition stonewash qui est pour moi du plus bel effet. C'est vraiment très joli. On a également le petit logo de Brad Zinker, le designer. Le tout sur une lame drop point qui est vraiment magnifique. Et on arrive à ce qui lui donne une pure gueule à mon goût, c'est son manche en fibre de carbone. Le tout sur des platines inox qui sont très très bien ajourées. J'espère que vous voyez. Là, on est sur la version avec les inserts rouges, mais il existe bien sûr avec les inserts bleus. Mais bon, vu que j'avais déjà l'Elementum en bleu, je me suis dit que j'allais le prendre en rouge cette fois-ci. Alors, je sais que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il faut quand même être très difficile pour pas aimer. Elle est belle, hein? Oui. Comme toujours avec CBV, tout est bien ajusté, rien ne dépasse, même la visserie est bien à fleur. Il n'y a aucun jeu, la lame est parfaitement centrée. On retrouve du Jingping sur le haut de la lame, mais surtout au niveau du manche, et bah quasiment à l'intérieur du manche, ce qui fait que on a très peu de grippe au final, on le ressent, mais ça n'a vraiment pas un rôle de grippe. Et puis surtout, il est bien trop bas, ce qui fait que quand on appuie sur la lame, on n'est plus dessus. Donc au final, pas trop d'utilité. Tu ne sers à rien. Tu es là, sans être là. On a également un clip qui, comme d'habitude, permet un port bien discret, mais qui n'est pas réversible. Et ça, à mon avis, c'est tout simplement pour pas dénaturer le design de la plaquette de l'autre côté. Concernant l'utilisation, certains le trouveront sûrement trop petit. Et moi, j'avoue que avec mes petites mains, c'est juste parfait. Les quatre doigts tombent pile dessus, comme il faut. La prise en main est confortable et agréable. Alors, il n'y a aucun grip, hein, les plaquettes sont complètement lisses, mais bon, j'avoue que j'ai pas rencontré trop de problèmes, même avec les mains mouillées, ça glisse pas plus que ça. Comme vous avez dû le remarquer, l'ouverture se fait par flipper. C'est super fluide et efficace grâce au roulement à billes en céramique. Le verrouillage se fait quant à lui par liner lock, qui va à peu près jusqu'à la moitié de la lame et qui est facilement accessible grâce à la platine supérieure qui est un petit peu creusée. Et par contre, au vu de la taille et du poids de la lame, il y a très peu d'inertie, donc faut l'aider un petit peu pour la fermeture. Comme tous les CBV, il est également fourni dans cette petite pochette avec le petit chiffon, les autocollants, la petite notice.
avec la petite moumoute à l'intérieur. Moi j'aime bien, après c'est vrai que ça sert pas forcément, mais c'est toujours sympa d'avoir une petite pochette avec son couteau. Si on veut résumer, on est sur un petit EDC qui se porte facilement au quotidien, au vu de sa taille, son poids et du clip qui permet un port discret. Malgré ça, il peut faire tout ce qu'on demande à un EDC, que ce soit au niveau nourriture, coupage de carton, paracord, etc. Tu vas morfler, salope. Le tout avec une gueule et une finition au top, pour 90 euros. Alors c'est un petit peu plus cher que la gamme entrée de gamme de CVV habituelle, surtout si on considère qu'il est plus petit. Mais il faut dire qu'on est sur du Nitro V, qui est quand même un acier légèrement supérieur au D2. Et puis surtout, on a ces belles plaquettes en fibre de carbone. Et honnêtement, vu la qualité des matériaux et de fabrication, on reste quand même très bon marché. Comme à chaque fois, je vous laisse avec des images de tests de coupe et des photos de tous les petits détails sympas du couteau. Comme dit au début, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire. On se revoit très vite pour un nouveau couteau. Ciao !